la nouvelle édition du festival Série Mania est lancée. La cérémonie d'ouverture s'est tenue le 26 août. Depuis Lille, alors que l'événement se tient jusqu'au 2 septembre. Les stars, ravis de pouvoir de nouveau se faire voir et photographier, ont répondu à l'appel. C'était le cas de Blandine Bellavoire, d'ordinaire discrète, mais qui a cette fois-ci attiré tous les regards sur elle lors du tapis rouge. Et pour cause. L'actrice âgée de 37 ans, connue des téléspectateurs pour ses rôles dans les séries populaires Plus belle la vie et Les petits meurtres d'Agatha Christie, avait sorti le grand jeu. Blandine Bellavoire a pris la pose sur le photocall dans une chic robe longue couleur olive. Dos nu et sans manches, largement décolleté sur la poitrine. Une création signée Philippe Ris, dont la boutique parisienne est située dans le 3e arrondissement. Sur le compte Instagram de la marque, on a d'ailleurs pu voir plusieurs photos et vidéos des essayages de la robe. Le styliste a notamment révélé avoir effectué un déchiré frangé de dernière minute dans une chambre de l'hôtel Barrière avant de laisser la vedette parader sur le tapis rouge. C'est impressionnant, surtout quand la robe est terminée, mais totalement voulue et maîtrisée. Point quoi qu'irréversible. Rien de tel qu'un peu de frisson avant un red carpet. À ne pas faire sur toutes les matières. Personne sensible s'abstenir, a commenté le créateur. Blandine Bellavoire était au festival Série Mania pour défendre la série Une affaire française, sur la disparition du petit Grégory, prochainement diffusée sur TF1. Le festival international 100% série est gratuit, s'installe à Lille jusqu'au 2 septembre 2021 et propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries du monde entier. Au programme, 8 jours de découvertes, de masterclass et de rencontres avec les personnalités les plus renommées du monde des séries.